Quiera. Bonsoir, à partager le direct. Partager le direct. On va prendre un petit moment ensemble pour prier, comme c'était prévu. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va aller rapidement. Alors, on avait dit 21h, heure de Paris. Il y a des personnes qui ne sont pas connectées. C'est quand on va commencer à arrêter le direct qu'ils vont commencer à dire « Oh, je viens d'arriver. Papa, localise-moi. Fais ceci, fais cela. » Bon, c'est 21h, heure de Paris. Je suis même en retard de 16 minutes. Donc, on va commencer. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je ne vais pas prêcher, mais je vais toucher un verset. Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Je vais juste toucher un verset. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est avec ce verset qu'on va travailler ce soir. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Voilà. Dans ces temps-ci, je ne supporte pas trop la musique quand je suis en train de prêcher. J'ai l'impression que même quand je mets le son tout petit, ça me fait crier. Il y a des moments où tu n'as pas envie de crier, tu as envie de parler doucement. Et il y a des moments où quand je mets la musique, ça m'emportait, mais là, c'est un peu trop, voilà. Donc on va rester dans le calme, dans le silence. Ésaïe chapitre 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Le direct de ce soir est un direct de prière, comme je l'avais dit. Donc, on ne va pas trop prêcher. Mais par contre, on va toucher un petit peu le verset. Quand on dit à quelqu'un, lève-toi, c'est parce que la personne est assise, couchée, penchée, dans une position quelconque. Et on dit à la personne, lève-toi. Alors nous savons que physiquement, lorsqu'une personne est fatiguée, elle peut s'asseoir. Quand une personne est fatiguée, elle peut se coucher. Elle peut se pencher pour s'adosser parce qu'elle est fatiguée. Je vais donc considérer que ce verset parle de quelqu'un qui n'en peut plus. Je vais considérer donc que ce verset parle de quelqu'un qui est stagnant, quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui s'assoit, qui est assis, en train d'attendre une solution. Vous savez,
pour ceux qui n'ont jamais traversé des épreuves, des difficultés, gloire à Dieu pour votre vie. Mais celui qui a connu la souffrance, celui qui a connu les épreuves, celui qui a connu les difficultés, sait que souvent tu t'assois, tu mets tes deux mains comme ça, et puis tu réfléchis. Des fois tu es là comme ça, on t'appelle, tu ne sais même pas si c'est toi l'antenne d'appeler parce que tes pensées sont ailleurs. Celui qui a souffert peut savoir qu'il y a des gens, tellement l'épreuve est dure, ils passent leur temps à pleurer. Je reçois beaucoup de personnes qui prennent rendez-vous avec moi. Il y a des personnes qui, dès qu'elles commencent à parler net, elles pleurent. Il y a des personnes qui sont en pleurs tout le temps. La dernière fois, j'ai engueulé même une de mes filles parce que je lui ai donné des conseils pour qu'elle ait le courage, mais tellement qu'elle croyait que les épreuves étaient très, très lourdes, alors que je vois la solution proche d'elle, elle était en train de pleurer. Je lui ai dit, mais toi, tu pleures trop dans ces temps-ci. Elle m'a confirmé, elle dit, oui, papa, je pleure tout le temps. Je l'ai engueulé. Je lui ai dit, arrête de pleurer. Les pleurs ne te donnent pas la solution. Les pleurs ne font pas partie des choses que Dieu a dit de faire. Il n'a jamais dit pleurer, vous aurez la solution. Il dit prier. Il dit adorer le Seigneur. Il dit croyez. Mais quand tu passes ton temps matin, midi, soir à pleurer, à te lamenter, ce n'est pas une prière. Tu peux pleurer dans la prière. Mais pleurer parce que tu es découragé, pleurer parce que tu n'en peux plus, pleurer parce que tu crois que le problème est très lourd. Ça, franchement, ce n'est pas une prière. Alors ce soir, je veux dire à une personne, la Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière, c'est la solution. La lumière, c'est la solution que tu attendais. Si vous suivez ce verset, le verset dit, ta lumière arrive. La lumière qui arrive est pour la personne qui était assise. La lumière qui vient là, c'est pour la personne qui était assise. Mais si cette personne ne se lève pas, elle ne peut pas être éclairée parce que la lumière va passer au-dessus d'elle. Mais pourtant, cette lumière arrive pour elle. Ça veut dire quoi? Des fois, tu attends quelque chose. Tu pries pour quelque chose. Tu veux quelque chose. La chose est déjà là, à ta porte. La chose est déjà à côté de toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu es toujours dans la position des pleurs, la position de la lamentation. Tu es toujours dans la position de est-ce que la chose vient, elle passe au-dessus de toi comme ça parce que tu n'as même pas l'espoir que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Combien de personnes étaient proches de leur miracle, mais qui se sont découragées et qui ont arrêté de prier, qui ont arrêté d'espérer et qui ont raté ce que Dieu était en train de faire pour eux. Lève-toi veut dire aussi, prends courage. Lève-toi veut dire, ne perds pas la foi. Lève-toi veut dire, renouvelle ta vie de prière. Lève-toi veut dire, renouvelle ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu. Lève-toi. Alors, le frère qui m'entend, la sœur qui m'entend ce soir, le Seigneur est en train de te dire de te lever. Lève-toi de la position qui t'attriste. Lève-toi de la position de l'abattement. Lève-toi de la position des pleurs. Ta lumière arrive. Donc, cette prophétie s'adresse à toi. Lève-toi et sois éclairé. Pourquoi? Car ta lumière arrive. On ne dit pas la lumière arrive. On dit ta lumière. C'est pour toi la lumière qui arrive. C'est pour toi la solution qui arrive. C'est pour toi le miracle qui est en train de venir. C'est pour toi. Mais tu dois être debout. Tu dois te lever. Je vous demande de partager le direct, de taguer des gens, de mettre des cœurs pour que beaucoup de personnes puissent bénéficier de ce moment de prière.
J'annonce à une personne ce soir que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais la chose qui se passe avec Dieu, c'est qu'on ne peut pas téléguider Dieu. On ne peut pas appuyer sur un bouton pour dire à Dieu, comme si c'était une télécommande, j'appuie sur le bouton, fais ceci pour moi, je change la chaîne, je reviens sur la chaîne. Dieu ne sait pas ça. Dieu ne sait pas la télécommande de guirlandes. Ce n'est pas la télécommande d'une télé. Ce n'est pas la télécommande d'une clim. Dieu est Dieu. C'est lui qui décide. Il a prévu de te donner quelque chose. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Ça peut être dans une semaine. Ça peut être dans un mois. Si lui veut, c'est dans un an qu'il a prévu de te donner. C'est lui qui décide, mais il a déjà décidé de te donner la chose. Donc toi, tu n'as pas besoin de te décourager. Regarde, quand tu as un enfant, ton enfant a 6 ans, ou ton enfant a 3 ans, ton enfant te dit, papa ou maman, je veux, on va dire, un scooter. Je vais exagérer. L'enfant a 6 ans et puis te dit, je veux un scooter. Il y a plusieurs manières de répondre à l'enfant. Tu peux lui dire non, je ne t'achète pas de scooter. Tu n'as pas besoin. Première réponse, tu as refusé. Deuxième réponse, tu peux dire ok, j'ai compris. Quand le moment viendra, je vais te l'acheter. Ça veut dire quoi? Tu as accepté de lui acheter le scooter, mais c'est le moment qui n'est pas arrivé. L'enfant aussi peut te demander, il a 6 ans, papa, je veux une tablette. Tu trouves que la tablette est nécessaire pour lui, peut-être qu'il va pouvoir étudier avec ou faire certaines choses. Tu peux lui dire d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand tu lui dis d'accord, il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire que tu lui as dit c'est aujourd'hui ou c'est demain. L'enfant peut te poser la question le lendemain, « Papa, où est ma tablette ?» Tu dis, « Mais je t'ai dit que j'ai compris. Patiente-toi. » Mais tu n'as pas refusé. Peut-être que toi, tu as prévu de lui prendre ça dans 2 mois ou à la fin du mois ou dans une semaine. Mais l'enfant, il a entendu « Oui ». Il sait que tu vas, il va même dire à ses amis, mon papa va m'acheter une tablette. Mais le jour, l'heure, le moment, lui, il ne peut pas savoir. C'est toi qui décides. C'est comme ça nous sommes avec Dieu. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu, que Dieu a déjà prévu de te donner. Mais des fois, il trouve que ce n'est pas nécessaire que tu l'aies aujourd'hui. Mais toi, tu crois que c'est vraiment nécessaire. Mais l'argent que tu as demandé au Seigneur, là, si le Seigneur te donne aujourd'hui, le Seigneur sait qu'à côté de toi, il y a des escrocs. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est voleur dans ta maison. Il sait qu'il y a quelqu'un qui a les yeux sur toi pour prendre cet argent. Il sait que tu devais à quelqu'un. Dès qu'il va apprendre que tu as cet argent, il va venir te prendre cet argent. Je donne juste des exemples. Le Seigneur sait que s'il t'a donné aujourd'hui, cette nuit même, tu vas te braquer et cet argent-là va se perdre. Ou bien, il te donne cet argent aujourd'hui, mais le lendemain, on va t'appeler pour te dire qu'il y a des funérailles. Il y a quelqu'un qui est décédé. Donc, cet argent s'en va. Mais le projet que tu as eu, tu ne peux pas le réaliser. Est-ce que vous mettez les cœurs? Est-ce que vous partagez le direct? Donc, Dieu peut te dire, je vais te donner. Mais Dieu choisit le bon moment pour te donner, pour que cet argent puisse te servir. Souvent, nous sommes pressés. Et nous croyons que Dieu ne nous a pas exaucés. Il y a une femme qui a demandé un enfant à Dieu. Elle a beaucoup prié. Elle a jeûné. Elle a prié. Les hommes de Dieu disent, Dieu va te donner un enfant. Mais l'enfant ne vient pas. La femme insiste.
un moment même, elle a quitté l'église pour aller voir des guérisseurs, des gens, pour faire des maraboutages, des trucs, pour avoir un enfant. L'enfant n'est pas venu. Elle est retournée encore à l'église, demander pardon à Dieu de lui donner un enfant. La prophétie est sortie. Oui, femme, tu vas accoucher. Tu vas avoir un enfant. L'année prochaine, là, tu auras l'enfant. Effectivement, la femme est tombée enceinte. La femme a eu l'enfant. Mais tenez-vous bien. L'enfant qu'elle attendait, elle a eu. Mais l'enfant était un grand bandit. L'enfant ne respectait pas sa mère. Deux fois, il frappait sa mère, il tapait sa mère. L'enfant ne respectait personne. L'enfant a ramené des problèmes à la femme. Des problèmes. Elle ne savait plus comment s'en sortir. Elle voulait un enfant, elle a insisté, elle a forcé. Dieu dit, je vais te donner. Le temps n'était pas arrivé, mais elle, elle a forcé, elle a eu l'enfant. Mais les problèmes qu'elle a eus, elle a commencé à regretter d'avoir eu un enfant. Maintenant, cette femme est en train de se tourner contre Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as donné un enfant comme ça? Regarde comment il me fatigue. Regarde ceci. Le Seigneur répond à la dame pour lui dire, mais ce n'est pas moi qui t'ai donné cet enfant. Je t'ai promis un enfant. J'ai dit que tu auras un enfant. Mais ce n'est pas moi qui te l'ai donné. C'est toi qui as forcé les choses. C'est toi qui as précipité les choses. C'est toi qui as arraché cet enfant qui n'était pas destiné. Mais l'enfant que moi j'ai prévu pour toi, ce n'est pas lui qui est là. Vous voyez? Je parle à une personne ce soir. Si tu es dans l'entente, tu es dans l'attente, tu es en train d'attendre Dieu, garde toujours ta foi. Et attends. Arrête de dire, je suis déjà vieille. À mon âge, je ne peux plus avoir cela. J'étais à ma salle de sport aujourd'hui. Je parlais avec un monsieur. Quand je suis sorti de la salle, c'est un athlète. Il va à la salle pour se mettre en forme. Et puis en parlant, il me demande, j'ai quel âge? Je dis, moi, j'ai 52 ans. Il dit, quoi? Tu as 52 ans? Moi, j'ai commencé à te donner 25, je suis ceci. Je dis, ah non, mon cher. Il dit, mais tu ne fais pas ton âge. Je dis, encore là, je me suis laissé aller. Parce que si je m'entretiens vraiment, si je prends bien soin de mon corps, je fais du sport comme il faut, je m'entretiens. Là, quand tu me vois, je rajeunis encore plus. Bien-aimé. Mais je peux m'asseoir pour dire, oh, je suis trop vieux. Oh, j'ai raté telle chose dans ma vie. Oh, pourquoi je n'ai pas fait ceci? Mais Dieu ne me voit pas de cette manière. À 90 ans, Sarah a enfanté. À 100 ans, Abraham a eu un enfant. Élisabeth avait la ménopause. Elle a eu Jean-Baptiste. Anne était stérile. Elle a eu Samuel. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, si tu t'es assis dans le découragement, si tu t'es couché dans le découragement, si tu n'as plus la foi, si tu crois qu'il n'y a plus d'espérance pour toi, je suis venu t'exhorter ce soir pour te dire, tout est possible à Dieu. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'avais dit que ce soir, je ne prêche pas. C'était juste pour vous exhorter par rapport à ce verset. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc, change de position. Prends la position de la foi au nom puissant de Jésus. Amen. Je demande à Marie Nan Meki de m'appeler maintenant. Je commence à prier. Marie, si tu as mon numéro, appelle. Saint-Esprit, localise tes enfants ce soir. Malabro koshe karabra kosi.
Saint-Esprit, localise tes enfants. O Rabashi Katalamosi Keraba. Allô. Oui, bonsoir, Hôte Dieu. Bonsoir, sois béni. Merci, amen. Dès que j'ai entendu mon nom, mon cœur s'est mis à battre. J'ai dit, eh Dieu. Le Seigneur. J'ai commencé à paniquer, mon cœur s'est mis à battre. Pourquoi tu paniques? Non, mais j'étais là en train de vous écouter. Vous savez, je vous écoute. Mm-hmm. Quand j'ai entendu mon nom, je commençais à avoir la tremblote, mon cou, j'ai dit, okay. Seigneur, j'ai dit. Je vais prier pour toi. Merci beaucoup. Je veux que tu mettes la main droite sur ton front, sur ta tête. Ok, j'enlève mes lunettes. Ok. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus, j'allume la foudre sur tes ennemis. Amen. Si tu dis amen à chaque parole que je sors, on ne va pas s'en sortir. Donc, dis amen deux fois dans ton cœur. Yeah, d'accord, j'ai compris. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, concentre-toi juste, écoute ma voix, sois en connexion avec moi, sois pas distrait. Parce que très si bien. Dieu a permis que je t'appelle, c'est pour que tu reçois quelque chose. Très bien. Donc, oui. Ne sois surtout pas distrait. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu t'environne. Maintenant, je dépose une onction particulière sur toi. Je ne sais pas si tu es assise ou si tu es debout, mais tiens-toi bien. Je suis assise. Je veux un silence absolu. L'ange de l'Éternel maintenant déverse une grâce sur ta vie. Une huile d'onction coule sur toi en ce moment même. Je demande au Seigneur de te faire ressentir l'effet de cette huile maintenant sur le corps. Saint-Esprit, délivre-la. Délivre-la. Continue. Saint-Esprit, agis. Que cette huile ne cesse de couler. Que cette huile ne cesse de couler. De la tête aux pieds, Seigneur, qu'elle ne puisse pas résister à cette onction. Maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prier pour toi, sois forte parce que quelque chose va se passer. Tes voisins vont se demander qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens dans la maison qui vont se demander qu'est-ce qui se passe parce que il y a une délivrance ce soir. Oui, il y a un. Il faut pas tout parler. Laisse-moi un truc d'abord, hein, s'il te plaît. Il y a un serpent qui me montre sa tête. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je vois un serpent qui me montre sa tête, qui se tourne et qui me regarde comme ça. Au nom puissant de Jésus, je foudroie ce serpent maintenant. Je condamne ce serpent maintenant, qui joue aussi le rôle du mari de nuit. Je condamne ce serpent. Je condamne ce serpent qui agit contre ta vie depuis un moment. Je le crasse. Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Au nom puissant de Jésus, je condamne ce serpent. Je détruis son venin dans ce corps. Je libère par la puissance du nom de Jésus. Mm.
Lâche prise. Lâche. Lâche prise. Lâche prise, lâche prise. Lâche cette affaire. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Au nom de Jésus. Père, par ton esprit, libère totalement ce corps. Par ta puissance, libère ce corps. Dans le nom puissant de Jésus. Lâche prise. Nom de Jésus. Maintenant, je parle à Marie. Marie. Oui. Tu as de l'eau à côté de toi? Oui. Prends cette eau. Oui, j'ai une bouteille. Répète Jésus. Répète Jésus. Sur l'eau. Tu ouvres la bouteille. Tu dis Jésus. Une fois Jésus. Deux fois Jésus. Trois fois. Jésus. Jésus. Tu as dit deux, tu n'as pas dit trois. Jésus. Voilà, souffle dans la bouteille. Une fois, deux fois, trois fois. Bois cette eau, bois un peu de cette eau. Ok. Tu poses la bouteille. Je vais te laisser parce que tu vas aller vomir là. Il y a des choses qui vont sortir de toi tout à l'heure. D'accord. Après, si tu as un témoignage, après tu peux appeler pour un témoignage. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois merci. Béni. Vous pouvez appeler pour la prière. Marie-Lou peut m'appeler. Diaco, Yann, Cédric peut m'appeler. S'il y a une autre personne aussi, vous pouvez appeler. Diaco, Yann, Cédric peut m'appeler. Je vais prier pour vous. Ce soir, c'est un moment de prière. Pendant que nous prions pour les autres, si vous avez un sujet de prière, vous le présentez à Dieu. Le Seigneur va exaucer qui que ce soit aujourd'hui. Appelez. Je vais vous laisser le numéro sur le direct. Je suis en train d'écrire le numéro. Le numéro, c'est plus 33. Plus 33 ou 0033 6 19 98 68 95 plus 33 ou 0033 6 19 98
68 95. Voilà. Donc, le numéro est sur le direct. Le numéro est épinglé. C'est un numéro WhatsApp. Appelé sur WhatsApp. Donc, je ne vais pas trop tarder non plus dans le direct. Donc, si vous traînez, à une certaine heure, j'arrête le direct. Donc, ceux qui auront la grâce de recevoir, de pouvoir, truc, on ne pourra pas prier pour tout le monde. Donc, j'ai donné le numéro. C'est à vous de voir. J'ai promis de prier pour vous ce soir. Avant que quelqu'un n'appelle, je prie déjà pour vous tous qui êtes connectés. Que la grâce de Dieu vous localise. Dites Amen. Que la puissance de Dieu soit sur votre vie. Dites Amen. Que tout ce que vous cherchez au plus profond de votre cœur vous soit accordé. Qu'au nom de Jésus-Christ, toute force satanique qui agit contre vous soit paralysée. Que la puissance de Yeshua Mashua vous environne. Que la grâce de Jésus-Christ vous environne. Que tout esprit de malédiction, tout esprit de malheur, tout esprit d'échec, tout esprit de blocage, toute puissance infernale qui agit contre vous soit paralysée au nom de Jésus. Je prie pour que la situation qui te fatigue maintenant te lâche. Le démon qui te fatigue te lâche. L'esprit malin qui te fatigue te lâche. Au nom de Jésus. Il ne faut pas demander si tu peux appeler. Si tu appelles, appelle, je vais prier pour toi. Celui qui appelle, je prie pour lui. Dans le nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur vous. Par contre, si vous avez l'habitude de m'appeler, si vous avez l'habitude de m'appeler, si je vous appelle, comme mon fils qui demande s'il peut m'appeler, c'est mieux que tu laisses la place aux autres, parce que tu sais que toi, tu peux me joindre à n'importe quel moment. Voilà. Donc, c'est mieux que tu laisses la place aux autres. Ceux qui sont nouveaux, ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de prier avec moi. Voilà. Que la puissance de Dieu vous environne. Que la grâce de Dieu vous environne. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Qu'est-ce que tu es en train de demander? Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Je viens de dire qu'il faut laisser la place aux autres, mais tu es appelé quand même. Je vais prier pour toi. Sinon, toi, tu peux m'appeler à n'importe quel moment. Donc, dans les directs comme ça, bon, aujourd'hui, là, tu vas profiter quand même de mon onction du direct. Parce que tu es un violent. Tu es un violent. Il y a l'onction. Donc, toi, tu préfères prier de onction chaud chaud sur direct, là. Tu ne veux pas lâcher ça. D'accord. Moi-même, je sais que tu es un violent. Donc, on va prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur qui a commencé les choses dans ta vie, le Seigneur qui a déjà commencé à t'ouvrir les portes, continue à le faire plus. Que le désir qui est dans ton cœur se réalise maintenant. Ce soir, parce que tu m'as appelé dans ce direct, je prie spécialement que la femme que Dieu a prévue pour toi, car en ce moment, tu es en train de prier pour que Dieu te donne la femme qu'il a prévue pour toi. Cette femme, quel que soit le lieu où elle est cachée, cette femme, quel que soit le lieu où elle se trouve, je prie maintenant que Dieu touche son cœur, que vous puissiez vous rencontrer d'une manière spéciale à partir de cette prière. Que cette femme, par ma prière, son cœur bouge, son esprit bouge, ses pensées bougent et qu'elle commence à se dire qu'elle vient à toi. Si elle n'est pas en Italie, si elle est en France, si elle est même n'importe où elle se trouve, que Dieu lui parle aujourd'hui même, que Dieu lui parle et que cette femme, dans le nom de Jésus-Christ, se localise maintenant à toi, se connecte du moins ça à toi, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie maintenant que tu aies la promotion au niveau du travail. Je prie que les choses deviennent spéciales maintenant dans ta vie, que la prospérité t'environne et que tous les projets de ton cœur se réalisent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, agis.
L'Esprit de Dieu me dit de te demander de prier beaucoup en langue. De prier en langue, beaucoup en langue. Okay. Quand tu pries, il faut te laisser immerger par l'Esprit. Prie beaucoup en langue. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ça te bénisse. Allô? Ouais, il y a des gens qui essaient de m'appeler. Il y a des gens qui... Vous allez rappeler si vous avez essayé d'appeler, parce que si je veux moi-même rappeler, tout le monde ne va pas s'en sortir. Donc, oui, allô? 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 Oui. Bonsoir, Bishop. Bonsoir. Je vous écoute. Je me nomme Soumia. Mon sujet ce soir, vraiment, je veux que Dieu intervienne dans ma vie, délivrer ma famille et puis guérir mon époux pour ses problèmes. Dieu ne voit pratiquement pas bien. Ok. Donc, que Dieu ait compassion. Je vais prier pour vous. Vous avez le numéro de ma secrétaire ou pas? Non, je n'ai pas ça. Ok, je prie pour vous. Après, laissez-moi un message. Je vais vous laisser le numéro pour qu'on puisse avoir un rendez-vous et puis rentrer dans les profondeurs des choses. D'accord? C'est compris. Ok. Seigneur, je prie pour ta fille. Je prie qu'au nom de Jésus, le sujet qui lui tenait à cœur, pour lequel elle a appelé aujourd'hui, reçoive maintenant les ossements. Que ta main puissante soit sur sa famille, que ta main puissante agisse au niveau de son mari. Père Céleste, je condamne tout esprit de sorcellerie qui agit contre cette famille. Je condamne toute puissance infernale qui lutte contre cette famille. Que la grâce de Dieu l'environne, que la bénédiction Seigneur environne cette famille. Madame, sœur, oui. L'Esprit de Dieu me dit que vous avez vécu des moments bien, mais à un certain moment, vous avez commencé à être submergé de preuves. Oui. Il y a eu trop de combats sur vous. Trop de combats. Oui. Comme vous avez dit votre nom, c'est pourquoi je n'aime pas que les gens disent trop leur nom dans les directs. Je vais prier comme ça pour vous, et puis on se verra en rendez-vous, ce sera mieux. Que la main de Dieu soit sur votre vie, que le Seigneur même qui révèle agisse dans votre famille. Je condamne tout esprit de sorcellerie qui a ouvert la brèche dans votre famille. Je condamne tout esprit de méchanceté, de jalousie et de sorcellerie qui agit contre votre mari. Je condamne la racine de sa maladie, même si la médecine a dit quelque chose. Je combats toute attaque spirituelle contre la vie de cet homme. Je commande que les anges de l'Éternel rentrent dans cette famille maintenant pour condamner toute œuvre diabolique, satanique et mystique. Et que la main de Dieu intervienne, que le miracle se produise. Seigneur, relève cette famille. Stabilise cette famille, produit la paix et la joie dans cette famille. Je prie, Seigneur, que tes anges interviennent, frappe tous ceux qui sont contre eux, fais le retour à l'envoyeur et redonne la paix, la joie et la grâce. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le Seigneur te bénisse. Merci, de rien. Amen. Si vous avez appelé, j'étais en communication, je n'ai pas pu vous prendre. Donc, vous pouvez, voilà. Sœur Marie, tu peux rappeler. Elle dit, vénérable homme de Dieu, j'ai vomi. Oui, sois béni. Allô? Oui, l'homme de Dieu. Comme il y a d'autres personnes qui appellent pour la prière, on ne va pas passer trop de temps. Je vais te poser juste une question, tu vas me répondre brièvement. Tu as vomi? Oui, un peu, de l'eau, surtout de l'eau. D'accord, mais ce n'est pas encore fini. Ah,
Je sais, oui. Voilà, ce n'est pas encore fini. Il y a des choses qui doivent sortir de ton ventre. Donc, continue de suivre le direct. Cette nuit-là, c'est la nuit de ta délivrance. Voilà. D'accord. Que Dieu te bénisse. Continue de suivre le direct. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, c'est Jaco. J'avais demandé à ce que j'appelle. J'essaie d'appeler, mais c'est bien, j'ai plus de... Ah, tu étais sur le direct. Oui, papa. D'accord. Ok. Je vais prier pour toi. Dieu m'a mis à peine de prier pour toi. Je vais prier pour toi. Amen. Seigneur, je vais prier pour ton fils dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'espoir de sa famille et c'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un qui a des ambitions très fortes. Mais Père Céleste, les personnes sur qui il a compté, les personnes vers qui il tourne son visage et son cœur ne peuvent pas lui apporter vraiment grand-chose. Éternel des armées, je refuse qu'il tourne en rond et continue de tourner en rond. Je lui trace maintenant, Père, le chemin de l'excellence. Je lui trace le chemin de la bénédiction. Je lui trace le chemin du voyage. Père, amen. Le projet qui est dans son cœur, tu le connais très bien. Et Père, que ce projet se réalise. Dans le nom amen. De Jésus-Christ, je suis en train de voir, Seigneur, que tu as un plan prévu pour lui. C'est de le déraciner, de l'enlever de la Côte d'Ivoire parce qu'il a une percée ailleurs. Amen. Seigneur, je vois le voyage pour lui. Je vois le voyage et je vois que, Seigneur, il a un projet. Et le projet qu'il a, je ne vais pas le détailler aux yeux du monde entier, mais dans ce projet, c'est lui qui est le patron. Et dans le projet, il y a un rassemblement de jeunes. Et dans ce projet, Seigneur, il y a un soutien des autres, mais Seigneur, il y a aussi des revenus. Oh Père Céleste, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, pour Seigneur ne pas exposer sa vie et ses idées devant tout le monde, je prie que Père, toi qui connais la profondeur de son cœur, et qui sait, Seigneur, ce qu'il pense, ce qu'il veut, que tu puisses l'accomplir. C'est toi qui m'as donné son nom, c'est toi qui as voulu qu'il appelle. Je condamne tout esprit de sorcellerie contre sa vie. Je condamne tout esprit de mystère contre sa vie, dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je refuse qu'il touche l'argent et que l'argent ne le serve pas. Je refuse qu'il touche l'argent et qui n'arrive pas à réaliser ses vœux. Je refuse aussi que l'argent vienne difficilement à lui. Dans le nom de Jésus, que les portes de la grandeur, le port de l'excellence et de la bénédiction lui soient accordées. Seigneur, il y a une place pour lui, il y a un poste pour lui, il y a une position pour lui, il y a un voyage pour lui. Et Seigneur, c'est lui l'homme qu'il faut. C'est pourquoi au nom de Jésus, je prie que tu réalises toutes ses promesses, ses vœux dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit ne cesse d'agir en sa faveur. Il est né pour réussir, Seigneur. Il est né pour briller. Son étoile est forte. Ils ont essayé de jouer avec son étoile. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu relèves son étoile. Père, pendant que je prie pour lui, retire ce voile. Retire ce voile. Retire ce voile. À partir d'aujourd'hui, la bulle dans laquelle on l'avait mis, pour qu'il tourne en rond, que cette bulle soit déchirée. Il a longtemps servi les autres. Il a longtemps tendu la main aux autres. Il a été serviable de gauche et à droite. C'est son temps qui est arrivé maintenant. Je ne le connais pas, Seigneur, mais tu le connais. Son temps est arrivé. Saint-Esprit, visite-le de la tête aux pieds. Saint-Esprit, déchire son vêtement. Donne-lui un nouveau vêtement. Saint-Esprit, déchire son manteau. Donne-lui un nouveau manteau. Déchire sa chair. Donne-lui une nouvelle chair. Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour. Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour. Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour
tu l'as localisé. Agis, Père. Qu'il soit étonné. Que les ennemis de sa destinée soient étonnés. Que les sorciers qui croyaient l'avoir soient étonnés. Que ceux qui croyaient qu'ils l'ont bloqué soient étonnés. Projet de voyage, ça se réalise. Entreprise, ça se réalise. Projet, ça se réalise. Même sur le plan de la politique, tout ce qu'il veut faire se réalise. Seigneur, tu le poses. Seigneur, tu le positionnes. Seigneur, tu le positionnes. Seigneur, tu le positionnes. Seigneur, tu le positionnes. Tu fais briller encore son étoile. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Marabrache. Marabrache. Merci. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Dans la prière, j'ai touché des sujets. J'ai fait une prière prophétique. Au lieu de te révéler des choses pour dire oui, tu as ça, tu as ça. En priant, je les ai touchés de gauche à droite. Je sais que tu les as reconnus. C'est ça. Okay. Une partie de ma famille, c'est ça. Voilà. Mais ton temps est arrivé. Que la grâce de Dieu soit toujours avec toi. Tu vas étonner tout le monde. Au nom de Jésus, que cela s'accomplisse. Amen. Sois béni. Amen. Je peux prendre combien de personnes encore? Bon, le frère pour qui j'ai prié tout à l'heure, je ne sais pas s'il suit en même temps le direct, s'il a un deuxième téléphone. Je n'ai pas retenu son nom, mais qu'il me laisse. Où est son celui que je viens d'appeler? Ok, c'est celui-là. Comment je vais le reconnaître? Ok. Tu me laisses son vrai nom, je vais enregistrer son numéro. Ok. Ah, c'est pas lui. Oui, allô? 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 Oui. J'appelle pour la prière. Oui. Oui, allô? Oui. Oui. Faut que vous priez pour moi, oui. Faut que vous priez pour moi. Ok. Oui. Vous êtes sur le direct là actuellement? Il y a un écho chez vous là. Il y a deux téléphones. Ah oui, je suis sur deux téléphones. Il faut diminuer l'autre téléphone où il y a le direct, s'il vous plaît. D'accord, ok. J'ai besoin de prier parce qu'en ce moment, je suis un peu stressée de tout et tout. Donc, ok, vous avez diminué le téléphone, c'est oui, bon? Oui, j'ai diminué. Ça fait, je crois, 5 fois que je suis au direct. Donc, ok. Ok, je vais prier pour vous. Mais votre cas n'est pas... Votre cas n'est pas seulement sur le direct. Je prie pour vous. Vous me laissez votre... Un message après, je donne le numéro de ma secrétaire, vous n'avez pas rendez-vous. Pourquoi? Parce que il y a un esprit d'oppression qui est sur vous. Il y a un esprit d'oppression parce que je connais. Vous m'écoutez? Ouais. Il y a un esprit d'oppression qui est sur vous. Ouais. Je suis en train de ressentir qu'il y a un esprit d'oppression qui est sur vous, qui vous fait penser, qui peut même vous faire penser au suicide. Un esprit qui est là, qui souvent vous faites croire, ça veut dire que votre vie, vous êtes là 2 fois, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous arrive. Même s'il y a un petit problème, ça devient un problème très lourd pour vous. Et cet esprit-là, c'est un esprit qui joue ce rôle, qui vient vous oppresser. Et quand c'est comme ça, ça agit sur la santé aussi, ça agit sur tout. Ouais, c'est vrai.
Et donc, du coup, vous n'avez même pas, vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous pouvez avoir même de l'argent qui est posé là. Vous savez que vous êtes bien, vous avez de l'argent. Mais en même temps, la paix n'est pas dans votre cœur. Et cet esprit-là, ce n'est pas un bon esprit. C'est ce genre d'esprit qui amène les gens au suicide. C'est ce genre d'esprit qui amène les gens au suicide, qui les fait croire qu'ils vivent pour rien et que ce qu'ils sont en train de faire, ça ne va jamais ceci, ça ne va jamais cela. Ça fait penser beaucoup au passé, les échecs qu'on a eus, les erreurs qu'on a faites, des choses. Donc c'est un esprit d'oppression qui est là, qui vous oppresse tout le temps, qui est en train de vous oppresser et qui ne vous permet pas d'avoir. Ça veut dire que ce n'est pas de bonnes pensées que cet esprit envoie dans la tête. Oui, c'est vrai. Des fois, j'ai des mauvaises pensées comme le chichi et tout. Mais voilà. Je vais prier pour vous, mais il faut que vous preniez rendez-vous parce que la prière de ce soir est bien, mais ça ne suffit pas. Vous avez besoin d'une suivi. Vous avez besoin qu'on vous explique des choses, qu'on vous pose des actions pour vous. Il faut vraiment une vraie délivrance. Mais je prie pour vous ce soir, d'accord? D'accord. Seigneur, je prie pour ta fille. Ne me dis pas ton nom de famille, dis-moi juste ton prénom. Viviane. Je prie pour ta fille Viviane. Je prie qu'au nom de Jésus, maintenant tu interviennes pour elle. Tout esprit de mort, tout esprit de suicide, tout esprit d'oppression, toute puissance infernale, les esprits de scorpions, les esprits de serpents. Ô Seigneur, je condamne le pouvoir de ce mari de nuit que tu viens de me montrer. Je condamne le pouvoir de ce mari de nuit. Esprit de mari de nuit qui vole sa joie, qui vole sa paix, qui vole sa tranquillité. Toi qui combats tous les domaines de sa vie, parce que tu penses que c'est ta prisonnière, je t'ordonne au nom de Jésus de libérer la vie de Viviane maintenant. Tu lâches prise, mari de nuit, tu lâches maintenant au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus, ce n'est pas ton esclave. Je commande sa liberté, je commande sa délivrance, je commande sa liberté. Marie de nuit, sors, retourne dans les profondeurs de l'eau, retourne de là où tu viens. Ce n'est pas ta femme, tu ne l'as pas mariée. Elle a le droit d'être avec un homme physique, elle a le droit d'aimer l'homme qu'elle veut, et l'homme qu'elle veut a le droit de l'aimer. Je t'interdis au nom de Jésus-Christ de continuer à traumatiser cette femme. Marie de nuit, tu lâches prise. Je te renvoie dans les lieux arides. Je te renvoie de là où tu viens. Au nom de Jésus, lâche-la. Par le son de ma voix, tu la libères maintenant. Dans le nom de Jésus, lâche la vie de Viviane. Lâche ses pensées. Lâche son esprit. Lâche son corps. Lâche-la. Je commande à la paix, je commande la paix dans son esprit, je commande la paix maintenant dans son âme, je commande la paix, la tranquillité maintenant, que la joie qui avait disparu reprenne position maintenant. Retire tes mauvaises pensées, lâche-la. Retire tes mauvaises pensées et lâche-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Amen. Viviane, Oui, papa. tu as du sel chez toi? J'ai du sel. Du sel, tu as le sel de mer aussi ou pas? Oui, un peu, oui. Ok, ce soir, avant de dormir, mets-moi une petite poignée de sel de mer dans un seau. Tu mélanges bien. Et puis, même si tu n'as pas de Bible, tu prends ton téléphone. Tu tapes psaume 53. Tu récites le psaume 53 et puis tu te rinces avec avant de dormir. Oh là là, c'est une révélation, papa. Hein? Ça fait 3 jours, il y a un esprit qui me dit que je dois me laver avec du sel plus citron. Ok. Ça fait 3 jours que tu reçois ça dans ton esprit que tu veux, dois te laver Oui. avec du sel, mais tu ne l'as pas fait. Ouais, c'est ça, oui. Ok. Il ne faut pas rajouter du citron. D'accord. Fais seulement ce que moi je t'ai dit. Si ça fait 3 jours que toi-même tu recevais dans ton esprit, mais tu ne le faisais pas, Dieu vient de te le confirmer ce soir.
Mets une poignée de sel. Tu fais tes prières, tu demandes ce que tu veux à Dieu, tu remues bien, tu fais, et puis tu lis le psaume 53, tu te rinces avec. D'accord. Et si tu te rinces, il faut laisser sécher sur toi, il faut porter quelque chose, tu peux dormir comme ça. D'accord. Et le lendemain matin, tu vas te laver, normalement. D'accord. Et tu me laisses un message, pour, tu écris simplement... papa, c'est moi, d'accord. Viviane, tu as prié pour moi ou quelque chose comme ça. Tu laisses un message, je vais savoir que c'est toi avec ton numéro. Et puis, je vais d'accord. te donner le numéro à la secrétaire pour que tu puisses prendre un rendez-vous. D'accord. Sois béni. Ok, merci. Mmh. Amen. Mmh. Ok, je peux prendre deux autres personnes. Je peux prendre deux autres personnes ce soir. Oui, allô? Allô? La personne a fait une fausse... Oui, allô? Shalom, Dodi. Bonsoir. Shalom. Oui, c'est Kassav. J'appelle, j'ai mis le direct et j'appelle maintenant pour que vous priez pour moi. Tu appelles du Burkina? Oui, c'est ça, du Burkina. Merci. Oui. Ok. Comment il va, notre frère Ibrahim? Ouais, il se défend bien. Il se défend bien. On est fiers de lui. Il travaille très bien. Oh, le monde entier, tous les Africains le portent en prière. Amen, 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 amen. Je suis content. On le porte en prière sincèrement. Ok. Pour tout le monde. Merci, Daddy. Je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à mettre le haut-parleur. Attends, c'est bon. Bon, je vais prier pour toi. Oui, oui. Au nom de Jésus, je prie que la grâce soit sur ta vie. Amen. Je prie que le Seigneur t'ouvre de nouvelles portes. Que les bénédictions Amen. De l'Éternel soient avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Va rester un peu calme, et puis tu dis Amen souvent dans ton cœur, parce que après ça perturbe la prière, d'accord? Au nom de Jésus, je prie que tous les sorciers de ta famille, côté paternel comme maternel, ne puissent pas t'atteindre, que les portes soient ouvertes. Que les promesses qui sont prévues pour toi dans le monde spirituel se manifestent maintenant dans le monde physique. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute attaque contre ta vie soit paralysée au nom de Jésus de Nazareth. Excuse-moi. Dans les villages, tes villages, que ce soit maternel ou paternel, est-ce qu'il y a un village où il y a de l'eau? Oui. En Côte d'Ivoire et même au Burkina. Celui du oui. Burkina, là, c'est le côté, oui. C'est que côté quoi? Paternel ou maternel? Paternel, oui. Il y a de l'eau? Il y a de l'eau, oui. Tu es au courant que cette eau-là dorée, que les gens font des cérémonies, des trucs là-bas? Et ça, on ne m'a pas informé. Maintenant, c'est à la prière charismatique qu'on m'a informé. Ouais, mais tu es au courant, quelqu'un t'a dit ça? Oui. Et je viens vous préciser que même le papa a été demandé un puits. A demandé quoi? Il a été demandé. C'est comme si ma grand-mère a demandé un puits à l'eau. Ok. Ce que je veux dire. Oui. C'est que cette eau-là qui est dans le village paternel, là, oui. Ce n'est pas de l'eau simple. Mm-hmm. Il y a un esprit dans cette eau qui perturbe beaucoup les gens. Oui. Et pendant que j'étais en train de prier pour toi, j'ai vu une eau, j'ai vu un esprit. Et c'est pourquoi j'ai arrêté la prière.
Tu as beaucoup de choses qui ont échoué dans ta vie. Beaucoup, énormément. Beaucoup de choses qui ont échoué. Il y a des projets même que tu étais prêt à réaliser. Ça a échoué. Tu as lutté pour avoir de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Dès que tu as cet argent pour pouvoir faire la chose, tu as l'impression que tu ne peux plus faire la chose. Il y a autre chose qui vient, l'argent s'en va. C'est ça. Toujours en train de recommencer. En train de recommencer. Et d'attendre de recommencer, de recommencer. Oui. Cet esprit-là, c'est un esprit de vol. C'est un esprit très mauvais. Et cet esprit-là, déjà, avait causé des problèmes à ton papa. Ton papa, il vit encore? Non, il est décédé en 2009. OK. Ton papa, est-ce qu'il est, il est décédé dans la gloire ou il a eu des problèmes d'argent à un certain moment? Il a eu ça, tout à fait. Il a eu des problèmes d'argent, oui. Il n'est pas mort, oui. Il n'est pas mort, on va dire, heureux, parce que... Non. Voilà. Oui. Ton papa, à un certain moment, il était en Côte d'Ivoire. C'est ça. Quand ton papa était en Côte d'Ivoire, les choses allaient bien pour lui. Oui. Et puis, un moment, il est venu au Burkina. Je ne sais pas, quand il est venu au Burkina, c'était pour quelque chose. J'ai l'impression que quand il est venu au Burkina, il est venu voir une femme. Ça devrait être sa maman ou bien une femme. Il est venu pour quelque chose, mais il a rencontré une femme. Mm-hmm. Et après ce voyage-là, les choses ont commencé à mal se passer pour lui. Mm-hmm. Et c'est comme si ton papa a commencé à perdre l'argent. Il a commencé à perdre beaucoup de choses. Est-ce que après, à un certain moment, il est parti rester au Burkina avant de mourir? Oui, c'est ça. Il est venu en 99. OK. C'est ça, voilà, c'est ça. Cet esprit qui a fatigué ton papa, là, cet esprit lutte aussi contre ta destinée. Uh-huh. Maintenant, quand tu vas combattre, là, quand tu vas prier, quand tu vas prier dans toutes tes prières de combat et tout, il faut combattre cet esprit qui vient de l'eau. D'accord. Si tu connais le nom de cette eau-là, si tu ne connais pas le nom, c'est pas grave. Mais si tu connais le nom, tu dis le nom. D'accord. Je vais te dire un nom. Oui. Je vais te dire un nom. Oui. Je le dis comme ça parce qu'il frappe fort mon esprit. Oui. Yasanga. Yasanga, je ne sais pas si je le prononce bien, Yasanga. Oui. D'accord. Peut-être que ça ne veut rien dire à Mouré. Ou peut-être que ça veut dire quelque chose. Peut-être que ça te rappelle quelque chose. Oui, mais... c'est l'enfant. Mm-hmm. Enfant. La langue sans, les sabots. Nous sommes les sabots. Oui. Les parents présentés de Moussi, voilà, c'est ça. Oui. Yasanga, je vais me renseigner. OK. L'esprit là oui. doit porter ce nom ou ce nom est en rapport avec cet esprit. Oui. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, je comprends. Oui. N'oublie pas, il faut écrire. Oui, d'accord. Mmh. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je prie que la protection divine soit sur ta vie. Que ce qui a été semé, que le combat que cet esprit mène sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. Que le Seigneur t'ouvre les portes et que les choses deviennent différentes pour toi maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu avais voulu à un certain moment faire genre un peu de plantation, c'est-à-dire genre des petits vivriers? Tu as essayé ça à un moment? Oui, j'ai essayé. Ou nous-mêmes, j'ai essayé. Avec 1 million de francs CFA, tout est parti dans l'eau. Tout est gâté. Oui, tout est gâté. En 2011. Oui, et j'ai encore même des projets pareils. Sur la terre, non? Oui. Sur la terre. Tu as voulu faire une petite plantation, tu as fait, ça n'a pas marché, c'est pas ça? Ça n'a pas marché. Et là, tu veux refaire encore, non? Je veux refaire. Ce que tu veux refaire là, c'est maïs ou bien c'est toujours la même chose?
C'est dans le vivrier, Mais oignon, le arachide, oignon, haricot, arachide, haricot, haricot, maïs, mille, oui. il y a maïs dedans. Et puis, ouais, il y a maïs et puis arabe. Voilà. OK. C'est ça. OK. Avant que tu commences là, on va prier, poser des actions, parce que toi-même, tu es en accord avec la terre. Normalement, ta richesse vient de la terre. Normalement, ce projet que tu as de faire là, ça vient de Dieu, parce que c'est ça qui devrait te faire gagner, te faire survivre sur la terre. Toi, le faire n'est pas en accord avec toi. Si tu veux faire, si tu veux faire genre taxi, transport, les trucs comme ça là, toi, ta voiture, tu prends, bon, tu donnes à un chauffeur, tout ça, on va te dire que ça fait accident. C'est pas bon avec toi. Pièces détachées, les trucs bizarres, bizarres. Tout ce qui est fait, c'est pas en accord avec toi. Mais la terre là, La ta théorie. grâce est sur la terre. Normalement, tes plantations, tu devrais faire des choses qui devraient marcher. Mais cet esprit-là, il est très furieux. Quand il fait quelque chose, il vient détruire. Quand il fait quelque chose, il vient détruire. Donc, on va poser des actions, on va prier. En une bosse, je vais te donner des conseils. On va poser des actions et tu vas reprendre. Tu vas reprendre et cette fois-ci-là, ça va marcher. Donc, je vais vous envoyer même une vidéo tout à l'heure, ou bien vocal. Ok. Si je n'ouvre pas ce soir, c'est pas grave. Hein. Ça sera peut-être demain. Quoi, c'est après le direct, c'est un peu fatigué. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci. Allô? Oui. Je ne vous entends pas. Que vous priez pour moi aussi. Vous êtes couché dans votre lit et puis vous appelez ou bien? Est-ce que vous avez un écouteur? Je ne sais pas parce que j'entends faiblement. J'ai enlevé les écouteurs. J'avais les écouteurs, mais là, je les ai enlevés. Vous m'entendez? Oui, là j'entends bien. Ok. Tu disais que c'était pour la prière, c'est ça? Ok. Bon, on va prier le Seigneur. Toi, tu m'entends bien, non? Très bien. Ok. Père, je prie pour ta fille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta grâce soit avec elle. Seigneur, localise-la. Que tous les projets de son cœur se réalisent. Père, je prie que les inquiétudes qui sont dans son cœur prennent la fuite maintenant. Seigneur, pendant que je prie pour elle, je ressens de la tristesse dans mon propre cœur. Comme si elle a été déçue, comme si elle s'attendait à quelque chose qui ne s'est pas réalisé, comme si on lui a donné des promesses, des paroles, et en même temps, ça n'a pas été ça. Père, je prie au nom de Jésus que ce poids, que ce fardeau que je ressens sorte d'elle. Seigneur, elle est dans les réflexions, dans les questionnements, dans les points d'interrogation. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi. Donne-lui maintenant la solution. J'ai l'impression que quelque chose doit revenir à elle. J'ai l'impression que quelque chose lui appartient, une personne lui appartient, un cœur lui appartient. J'ai l'impression que, Père, il y a quelque chose qui est pour elle, mais cette chose est à distance, cette chose s'est éloignée ou cette chose est en train de se reculer. Père,
exauce-la maintenant. Je ne suis pas à côté d'elle, mais je suis en train d'entendre comme elle est en train de dire, Seigneur, pardonne-moi si c'est de ma faute. Seigneur, c'est comme si elle est en train de te dire, Seigneur, pardonne-moi si c'est de ma faute. Père, dans le nom de Jésus, toi qui as permis qu'elle puisse me joindre ce soir, par cette prière, répare maintenant. Par cette prière, stabilise maintenant. Par cette prière, opère le miracle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Tu pleures? Non. Pourquoi tu pleures? La prière était trop précise. J'ai touché des choses sans trop parler. J'ai touché des points. Tu savais que... Parce que souvent, quand je prie, j'ai des révélations, mais je ne le dis pas. Je prie directement pour ce que je ressens. C'était cette prière que tu voulais, non? Ok, ça va aller. Tu as appelé, tu ne m'as rien dit. Dieu même te connaît. Dieu même m'a révélé des choses. On ne peut pas comme ça tout lancer en public. Mais quand je priais, tu savais que j'étais en train de toucher les points. Si tu devrais m'expliquer des choses, tu sais que j'ai touché presque tous les points. Le Seigneur est vivant. Il va agir. Sois dans la paix. Mais si tu as besoin de discuter après tout ça pour te vider, pour m'expliquer des choses, tu contactes la secrétaire. Peut-être il y a certainement d'autres prières que je vais te conseiller aussi à faire. D'accord. Voilà, sois béni. Il y a un numéro qui a essayé de m'appeler. Je vais rappeler cette personne parce que ça fait quand même un moment qu'elle insiste. Et je prenais deux personnes. Là, il est tard vraiment. Il est tard. Donc, c'est bien, c'est beau les prières, les directs de prière, mais allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, j'appelle pour que vous priez pour moi. Ok. Comment tu vas? Tu as insisté beaucoup, hein? Oui. Tu es aux États-Unis ou au Canada? Je suis au Canada. D'accord. Mais pourquoi ton cœur bat comme ça? Je ne sais pas. Peut-être j'ai peur, je ne sais pas. Ok. Je vais prier pour toi. Seigneur, béni soit ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Me donne pas ton nom de famille, donne-moi ton prénom. Marthe Marie. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour ta fille Marthe. Je prie pour ta fille. Je prie que ta grâce soit sur sa vie maintenant. Père céleste, visite-la par ton esprit. Visite-la par ta force. Seigneur, ce cœur qui s'est attaché à toi, ce cœur qui n'espère que en toi, je suis en train de recevoir une vision où je ne la connais pas. Je ne sais même pas, elle n'a même pas la photo de profil dans l'appel qu'elle fait. Donc je ne sais pas, Seigneur, on ne se connaît pas. Mais tu me montres une personne qui est à genoux. Et tu me montres la vision est successive. Comme chaque soir, c'est comme elle est assise dans un coin de chez elle. C'est comme si elle a un moment précis où elle vient se concentrer pour te demander des choses. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, j'aime son cœur, j'aime sa vie de prière. Mais Père,
Tu es en train de me dire aussi qu'elle est faible, qu'elle est fragile. Tu es en train de me dire que, Seigneur, elle a vécu des perturbations. C'est toujours elle qui est là pour les autres. C'est toujours elle qui tend sa main pour les autres. Quand ils ont besoin d'elle, on l'appelle. Quand ils ont besoin d'elle, on vient vers elle. Mais il n'y a personne pour elle. Les gens profitent d'elle. Seigneur, pendant que je suis en train de prier pour elle, tu me parles d'elle. Les gens profitent d'elle. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan des sentiments, elle fait confiance aux gens. Elle tend sa main et on utilise ça pour lui faire du mal. C'est ce qu'elle a vécu jusqu'aujourd'hui. Actuellement même, elle est en train encore de se demander pourquoi les gens sont si mauvais avec moi. Ma fille, arrête de pleurer. Ça va aller. Mais papa. C'est la première fois que tu m'appelles. Oui, oui. Est-ce que tu m'avais déjà expliqué tes problèmes? Non, papa. Pendant que je suis en train de prier, je touche tes problèmes, non? Oui, oui, papa. Si tu devais m'expliquer quelque chose, c'est ce que tu allais m'expliquer. Oui, papa. Dieu connaît ta vie, Dieu connaît tes problèmes. C'est ça, j'aide les gens beaucoup, beaucoup, mais rien en retour. Ça va aller. Amen, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Dieu qui t'a permis d'insister ce soir, de m'appeler, qui te donne maintenant la solution, qui te positionne, que tous tes ennemis aient honte, tous ceux qui t'ont fait du mal, qu'ils aient honte. Amen. Que le Seigneur, aujourd'hui où je parle, t'amène un ange, l'ange guerrier, pour veiller sur ta destinée, sur ta vie. Je prie que tu sois repositionné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi. Oui, papa. Je suis un peu troublé. Oui. Je vais te poser une question, c'est un peu privé, mais je suis un peu troublé. D'accord. Tu n'es pas marié? Non, non. Mais il y a quelqu'un en ce moment qui te veut. Où tu as vécu une histoire avec quelqu'un qui t'a fait promesse, mais qui n'a pas été correcte. Beaucoup de gars que je suis sortie me faire des promesses, mais jamais rien. Au final, c'est un problème qui arrive et il me laisse. Et c'est même pas de ma faute. Dernièrement. Bon, oui, dernièrement. Il y avait une histoire sur laquelle tu comptais. Oui, c'est ça, papa. Le monsieur, il est en France et tout allait bien et après, ma fille, il a dit, c'est pas... Oui. Ma fille, oui, papa. Faut pas parler beaucoup. D'accord, papa. C'était pas une bonne personne. Amen, papa. C'était pas une bonne personne. Ok, papa. C'est Dieu qui a permis même que il se loue. C'était pas une bonne personne. C'est Dieu t'a protégé, mais il t'a sauvé. Amen. Elle était juste venue profiter de toi. C'était pas une bonne personne. Dieu, le Dieu que je sers, oui, va stabiliser ta vie. Amen. Le Dieu que je sers, ce Dieu que j'invoque ce soir pour prier pour toi, va stabiliser ta vie. Cet homme-là, si même il t'appelle encore, oublie-le, zap. Même si tu peux même bloquer son numéro, fais-le. Parce qu'il va chercher à revenir. J'ai senti que la personne voulait commencer à revenir comme s'il n'a pas fini de te faire du mal pour revenir te faire encore plus de mal. Si ton cœur était sûr que tu croyais qu'il y avait espoir de quelque chose, oublie ça, parce que cette personne va te faire souffrir. D'accord, papa. D'accord. Au nom puissant de Jésus de Nazareth,
Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que ce que le Seigneur a commencé, il le termine dans ta vie. Je prie que le Seigneur stabilise maintenant ta vie au nom de Jésus. Amen. Les choses vont bien se passer, les choses vont se stabiliser. D'accord. Voilà, il faut arrêter de pleurer. Laisse juste un message après avec ton nom et tout. Je vais te laisser le nom, ma secrétaire va te donner un rendez-vous. D'accord, papa. Sois béni. Merci beaucoup. De rien. Ok, je prends une dernière personne et je prie pour vous. Oui, allô. Ok. Ça, c'est vraiment pas de ma faute. Donc, on va arrêter les appels. On va passer. Je vais prier parce que vous êtes nombreux et je ne peux pas prendre tout le monde. Oh. Je vais prendre cette personne. Allô. Bonsoir. Mariam. Homme de Dieu, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Kakene. Ça va. Somo bay. Ça va, tranquille. Je tenais juste à te remercier pour tout ce que tu fais pour nous tous. Mm-hmm. Que Dieu te bénisse. Mm-hmm. Qu'il te préserve, qu'il protège ta famille. Amen. Et donc voilà. Merci beaucoup. Merci aussi parce que tu touches vraiment mon cœur. Tu es une sœur musulmane. Mais depuis que tu as commencé à m'écouter, oui. Chaque mois, quand tu peux, tu m'envoies une offrande. Chaque mois, c'est même pas quand tu peux, ce que tu as, tu m'envoies, tu me surprends. Chaque mois, quel que soit le chiffre, quel que soit la somme, mais chaque mois, tu envoies quelque chose. Et ça, tu peux pas savoir comment est-ce que tu es planté dans ce cœur. C'est quoi, je voulais arrêter les appels. Dès que tu es appelé, j'ai décroché parce que tu es quelqu'un qui est dans mon cœur. Que le Dieu que je sers continue de te protéger, de t'élever. Que le Seigneur te donne tout ce que ton cœur recherche. Amen. Que toute attaque de l'ennemi contre ta vie soit nulle et sans effet. Amen. Que tous tes projets se réalisent. Et que la Amen. Grâce de Dieu ne te quitte jamais. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. De rien, Mariam. Porte-toi bien. Oui, merci. Bonne soirée. Merci. À bientôt. À bientôt. On arrête les appels pour ce soir. Je suis désolé. Il est tard. Je suis désolé. On va prier maintenant. Ok. Vraiment la dernière personne. Hein. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je veux que vous priez pour moi. Je suis là. Oui, bonsoir. Je vous écoute, oui. Oui, je veux que vous priez pour moi. Ok, on va prier. Okay. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour ta fille. Je prie que ta grâce soit sur sa vie. Je condamne tout esprit de blocage. Je condamne tout esprit de sécheresse. Toute puissance d'échec qui agit contre sa destinée soit vaincue au nom de Jésus. Père, ouvre-lui de nouvelles portes. Seigneur, agis en sa faveur. Père, fais la sortie de la boue, fais la sortie du sable, fais la sortie de la misère, fais la sortie de toutes sortes de difficultés, repositionne-la au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ton amour l'envahisse et que tous les fardeaux qu'elle porte, Père Céleste, tombent. Seigneur, je condamne l'esprit d'échec qui poursuit sa vie. Je condamne l'esprit de blocage qui poursuit sa vie.
Seigneur, parce que tout est bloqué autour d'elle, je brise le mur maintenant qu'une porte de gloire lui soit ouverte. Amen. Maintenant, Père, tu agis pour elle. Maintenant, Père, tu agis pour elle par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit, Seigneur, ton nom. Remplis ses mains de trésors, remplis sa vie de trésors, que ton huile de grâce et d'onction ne cesse de couler sur sa vie. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Sois béni, ça va aller. Amen. Ça va aller, que Dieu te bénisse. Amen. Tu m'entends? Non, non, on n'a pas le temps pour les questions. Normalement, je ne prenais plus d'appels. C'est pas pure grâce parce que j'ai un cœur, j'ai décroché. Je vais raccrocher les appels. Si tu veux poser des questions, tu m'écris, je te donne le numéro de la secrétaire, on parlera. Donc là, le direct a déjà trop duré, donc je ne peux pas écouter des questions, tout ça. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Ok, je vais prier pour vous tous. Si quelqu'un avait de l'eau là, tu prends ton eau. Si c'est un verre, si c'est une bouteille, tu prends, on va prier. Il y a quelqu'un qui marque depuis longtemps prier pour le Sénégal. Ok, Seigneur, nous prions pour le Sénégal. Nous prions que, Seigneur, la paix, la tranquillité soient dans ce pays. Nous prions pour tous les Sénégalais. Nous prions, Seigneur, toi le Dieu qui stabilise, toi le Dieu qui a toutes les solutions, que tu entends les prières de tes enfants. Seigneur, souviens-toi de toutes les veuves, les orphelins et tous ceux qui sont au Sénégal. Père, le Sénégal refuse la guerre, le Sénégal refuse le trouble. C'est pourquoi je prie qu'au nom de Jésus-Christ, tu t'installes dans ce pays, que tu stabilises tout ce qu'il faut dans ce pays, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui décides, et quand tu décides, personne ne peut lutter avec toi. C'est pourquoi j'élève la voix selon la prière qui est demandée ce soir pour le Sénégal. Fais le Père. Agis dans le cœur des autorités de ce pays, du côté du pouvoir comme du côté des opposants. Seigneur, que tout malheur prévu contre eux, Seigneur, soit nul et sans effet. Je prie que ce pays soit, Seigneur, dans la tranquillité. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ok. Ésaïe chapitre 60 dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » C'est le verset que nous avons utilisé ce soir. J'aimerais que si vous avez votre bouteille d'eau, votre verre d'eau, vous le tenez pour que je le bénisse, que je fasse une prière finale pour vous. Tous ceux qui veulent une prière spéciale ou qui veulent discuter avec moi, vous contactez mon secrétariat. Le numéro de la secrétaire, c'est plus 33 ou 0033 6 24 08 58 89. Plus 33 ou 0033 6 24 08 56 89. Ok. Nous allons maintenant prier. Je bénis tout eau qui est avec toi, l'eau qui se trouve avec toi, qu'elle ne soit plus de l'eau, qu'elle devienne le sang de l'agneau. Je prie que la grâce de Dieu soit dans cette eau, et que pendant que tu vas boire cette eau, la puissance de Dieu se manifeste, la grâce de Dieu se manifeste, que l'Esprit de Dieu se manifeste. Je prie que si tu avais une maladie quelconque, un malheur, un blocage, quoi que ce soit, par la force de cette eau, l'ange qui veille sur l'eau, visite cette eau pour agir en ta faveur. Père, tu m'as donné l'autorité de prier sur l'eau pour qu'elle agisse. Je bénis toutes les eaux que tes enfants tiennent maintenant entre leurs mains chez eux. Et que cette eau leur apporte grâce, liberté, délivrance, restauration. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous pour terminer cette prière, pour sceller tout ce que vous avez reçu. Si on ne vous a pas appelé ce soir, vous n'avez pas pu appeler, ne croyez pas que le Seigneur ne vous a pas exaucé.
Pendant que vous êtes connecté au direct, l'onction de Dieu agit. Dieu connaît vos problèmes. Je ne suis qu'un homme, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui vous connaît, c'est Dieu qui connaît vos problèmes. Donc, il agira pour vous. N'ayez pas peur, ne croyez pas que parce qu'on ne vous a pas appelé, ce n'est pas moi qui travaille, c'est Dieu qui travaille. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous localise. Que tout ce que vous cherchez au plus profond de votre cœur vous soit accordé. Que le Seigneur vous accorde la liberté, la restauration, et que les bénédictions de l'Éternel envahissent votre vie. Au nom puissant de Jésus, je prie que ce soir même, le Saint-Esprit fasse quelque chose de spécial encore pour vous, au nom de Jésus, et que la grâce ne cesse d'agir sur votre vie, que le Seigneur vous donne, que le Seigneur remplisse votre grenier, qu'il bénisse vos enfants, votre famille, votre foyer, votre couple, si vous n'en avez pas, que le Seigneur vous donne un couple. Que Dieu vous bénisse en toutes choses, que tout ce que vous lui demandez, il vous accorde. Que le Seigneur agisse en votre faveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'entends le bruit des bonnes nouvelles. Que le Seigneur t'apporte des bonnes nouvelles, que le Seigneur t'envoie des témoignages, que le Seigneur t'envoie des solutions, et que tout ce que tu cherches te soit accordé au nom de Jésus. Soyez bénis. Donc, ce soir, nous avons fini. Voilà. Nous avons fini. J'espère que vos enfants ont passé une très bonne rentrée scolaire pour ceux qui ont des enfants qui vont à l'école. Voilà. Excusez beaucoup pour le temps. C'est comme ça. Quand il y a les directs de prière, on prend du temps. Et puis, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Au revoir.